Il est chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors me direz-vous, je devrais le voir tous les jours. Eh bien non, les astronomes se déplacent énormément pour observer leurs étoiles. Ils vont dans d'autres lieux, d'autres continents et parfois d'autres établissements. Il est en même temps en mission de longue durée à l'Observatoire de Haute-Provence, donc, qui est près de Fort-Calquier. Mais il revient assez régulièrement chez nous. Et il nous a fait le plaisir de nous présenter une conférence sur les éclipses. Alors, lorsqu'il m'a proposé les éclipses, je me suis dit, mais quand même, Guillaume, tu ne travailles pas sur les éclipses d'habitude. Et comme je sais que c'est quelqu'un d'extrêmement logique, on a eu beaucoup de discussions ensemble sur la science, mais pas seulement. Et c'est un logicien redoutable. Alors, il a fait sa thèse à l'IAP en décembre. M'a-t-il dit, c'était la dernière thèse du siècle dernier, probablement l'une des dernières. Non, peut-être à l'IAP, la dernière, en décembre 2000. Oui, on est quand même à la fin du siècle précédent. Et son sujet, c'était le deutérium. Vous savez que le deutérium, c'est un des éléments le plus léger après l'hydrogène. Et il est très étudié parce que c'est un élément fossile qui nous permet de comprendre un peu comment le Big Bang s'est déclenché et a évolué. Donc c'est un objet d'étude très intéressant. Et cette thèse était donc destinée à mesurer cette quantité d'hélium dans le milieu interstellaire. Et pour cela, en utilisant un satellite qui a fait beaucoup parler de lui, surtout ici à l'Institut d'astrophysique. C'est le satellite FUSE, qui veut dire Far Ultraviolet Satellite Explorer. C'est un satellite qui explore dans l'ultraviolet lointain, qui est inaccessible depuis le sol. Et voilà, et fort de ses succès, il a changé de sujet. Ça, c'est l'aspect logique de Guillaume. Mais je pense qu'il a eu raison. C'est un très beau sujet, puisqu'il travaille depuis cette époque sur le thème des planètes extrasolaires. Vous savez que c'est un thème de recherche extrêmement prolixe ici à l'IAP. Beaucoup de résultats qui sont produits sur ce sujet-là. Et il travaille en collaboration avec d'autres chercheurs ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est en ce moment à l'Observatoire de Haute-Provence. Il y a deux façons d'étudier, enfin au moins deux, d'étudier les planètes extrasolaires. Une technique dite de transit, où on regarde quand une planète passe devant une étoile. Et par les techniques des vitesses radiales, c'est cette technique qu'il adopte. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un chercheur prolifique. Nous aimons beaucoup l'avoir avec nous. On a beaucoup de discussions et de conversations parfois très, très animées. Et comme beaucoup de chercheurs, il s'intéresse non seulement à ce qu'il fait, mais aussi au plaisir qu'on peut avoir à échanger les résultats. Il fait des conférences. Je ne sais pas si elles sont nombreuses, mais en tout cas, nous avons, nous, le plaisir d'en faire une ici. Alors je vais terminer par mon petit billet d'humeur ce soir, qui est celui-ci. Quelque chose que je pense profondément, c'est que la science rend la vie plus intéressante que la science. Et je suis persuadé que Guillaume va illustrer mon propos, en tout cas ne pas le démentir. Voilà. Ben merci, je vais faire de mon mieux. Donc merci beaucoup. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des éclipses. Et donc, le sous-titre de ma présentation ce soir, c'est les éclipses, des phénomènes spectaculaires, périodiques et riches en applications. Donc, c'est à peu près ces trois points que je vais aborder ce soir. Je crains de manquer un petit peu de temps. Donc, le dernier, peut-être, je serai un petit peu court dessus si je suis trop long sur le début. Donc, je vais commencer par parler du fait que les éclipses sont un phénomène spectaculaire. Alors, donc on voit déjà une image là, qui a été faite par nos collègues ici de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc on voit une éclipse de soleil avec la silhouette de la Lune qui passe devant le soleil. Et puis donc on peut faire énormément d'images très jolies d'une éclipse de soleil. Là, on voit les phases de partialité, on voit la silhouette de la Lune qui arrive devant le soleil. Donc ça fait un croissant de soleil, une image assez anormale, inhabituelle. On n'a pas l'habitude de voir le soleil comme ça. Donc quand il est assez bas sur l'horizon, on peut vraiment faire de jolies photos, de jolies images. On a une lumière très particulière au moment d'une éclipse. Et puis, évidemment, les éclipses partielles de soleil, c'est très beau. Les phases de partialité, c'est très beau. Mais les phases de totalité, là, c'est vraiment extraordinaire. C'est le moment où la Lune est exactement devant le soleil. Et donc, la Lune bloque la majorité de la lumière du soleil. Et donc, on est en plein jour. Et soudainement, en quelques instants, eh bien, il fait quasiment noir, quasiment nuit, comme on le voit sur cette image. On voit un peu une aube sur l'horizon, une sorte d'horizon qui fait tout le tour, c'est assez étonnant. On voit quelques étoiles, et puis on voit la couronne solaire autour du soleil. Et puis là, un avant-plan, là, c'était une éclipse en Chine. Là, une autre éclipse qui était observée depuis
Alors, j'ai pris ces photos sur Internet, j'ai mis les crédits en bas à chaque fois, on voit les, donc, le nom du photographe qui ont pu faire toutes ces belles images. Là, c'était en Amérique du Sud, avec une éclipse très bas sur l'horizon. La même éclipse, vue un petit peu plus à l'ouest, le soleil était plus haut à ce moment-là, donc depuis l'île de Pâques, là, vous avez reconnu. Donc vraiment un moment très, très étonnant quand on voit une éclipse totale de soleil, qui permet également d'observer l'environnement plus proche du soleil. On voit une très belle image où on voit la couronne, le vent solaire, la couronne solaire, tout ce qu'il y a autour du soleil et qu'on ne voit pas d'habitude puisqu'on est ébloui par la lumière du soleil. Et donc là, à nouveau, une image faite par mes collègues de l'IAP, où on voit donc la silhouette de la Lune, des protubérances, la chromosphère, la couronne solaire, etc. Il y a aussi des belles photos qui sont faites, des photos en chapelet, où on voit toutes les phases de l'éclipse. Donc ça, c'est une éclipse du début à la fin, ça dure plusieurs heures, et la phase de totalité dure juste quelques instants, quelques minutes. Et donc là, la personne qui a fait ces photos a pris des photos sur plusieurs heures, et donc on voit un chapelet avec les différentes phases de l'éclipse. Alors on peut faire des photos plus simples, des photos en sténopée, ou pendant la phase de partialité, on arrive à voir tous les petits croissants du soleil. Donc on peut observer simplement avec une passoire et un drap, donc des photos plus simples. Donc ça, c'était pour les images des éclipses de soleil. Et évidemment, il y a les éclipses de lune qui sont plus fréquentes, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc une éclipse de lune, là, c'est quand la lune passe dans l'ombre de la Terre, là, on en reparlera également dans un instant. Donc on voit la lune avec l'ombre de la Terre sur elle, avec un bel avant-plan. La Terre a une atmosphère, donc elle diffuse la lumière, et donc souvent la lumière devient un petit peu rouge à la surface de la lune. La lune est plus ou moins sombre, plus ou moins rouge pendant une éclipse de lune, ça fait des très jolies couleurs, une belle image encore d'une éclipse de lune. Là encore un chapelet d'une éclipse de lune avec les différentes phases de partialité jusqu'à la totalité. Là, une éclipse de lune observée depuis les Canaries, avec l'océan qu'on voit ici. Alors des éclipses, alors j'ai un film, je vous le montrerai à la fin, j'ai un peu peur qu'il y ait un problème technique, là ça fonctionne. J'ai un très beau film justement réalisé par Jean Mouette ici, de l'IAP, donc je vous montrerai ça à la fin pour finir en douceur cette conférence, où ça vous convaincra encore plus qu'une éclipse est vraiment un spectacle extraordinaire à voir. Alors peut-être je peux commencer par un petit sondage. Qui ici a déjà vu une éclipse totale de soleil ? Totale. Ah, beaucoup, beaucoup. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est un spectacle vraiment étonnant, extraordinaire, que dès qu'on en a vu un, on n'est pas bien sûr de ce qu'on a vu, c'était extraordinaire, et puis on a envie d'en voir un autre. Donc la majorité d'entre vous êtes convaincus, et puis les autres, donc ceux qui n'ont pas levé le doigt, je vous souhaite de pouvoir en voir une un jour. Et puis on parlera un petit peu tout à l'heure de comment voir les éclipses, quelles sont les prochaines que l'on pourra observer. Et donc depuis longtemps, les éclipses impressionnent beaucoup, beaucoup les gens. Donc il y a une éclipse fameuse, c'est l'éclipse de lune de Christophe Colomb. Donc l'histoire raconte que Christophe Colomb, quand il avait à négocier avec les autochtones dans les pays dans lesquels il arrivait, une fois il a pu prédire une éclipse et il a pu impressionner tout le monde grâce à une éclipse. Alors étonnamment, cette histoire est assez connue, mais alors, il y a une histoire de fiction qui est directement inspirée de celle-là, c'est dans Tintin bien sûr, qui est encore plus connue. Étonnamment, la fiction est plus connue que l'histoire souvent, en tout cas dans notre pays c'est plus connu. Donc la fameuse scène dans le Temple du Soleil, où Tintin utilise une éclipse de soleil pour là aussi se mettre tout le monde dans la poche. Alors deux planches très réussies du point de vue du scénario, dans laquelle il y a une petite confusion entre deux phases de l'éclipse. Donc je ne sais pas si vous avez vu la confusion, mais on pourra en reparler à la fin si vous ne connaissez pas cette une grosse erreur en fait commise par Hergé sur cette planche, mais qui n'enlève rien à l'efficacité dramatique de cette scène. Et donc, alors juste une image, le film que l'on verra à la fin, une image extraite du film, donc à la fin, on verra une belle image d'une éclipse observée il y a presque un an depuis l'Australie. Donc ça, c'était pour vous convaincre que c'était un phénomène spectaculaire, mais je crois que beaucoup d'entre vous étiez déjà convaincus. Donc je vais passer pas mal de temps là à parler des périodicités des éclipses. Quand voit-on des éclipses? À quelle périodicité? Et puis j'espère vous faire découvrir des choses un petit peu étonnantes que certaines personnes ne connaissent pas. Quand voit-on une éclipse et à quelle fréquence se reproduisent-elles? Donc tout d'abord, en introduisant tout gentiment, tout tranquillement, là je pense que ce qui va intervenir évidemment dans une éclipse, je vais parler essentiellement des éclipses de soleil, mais également des éclipses de lune, les deux sont assez liés. On a trois corps, le soleil, la Terre et la Lune. Donc vous savez que le soleil que l'on voit sur la droite, là c'est lui qui éclaire, évidemment, il éclaire la Terre et la Lune. Donc la Lune tourne autour du soleil, et suivant la position que la Lune a par rapport au soleil,
eh bien, on l'observe sous différentes phases vues de la Terre, les différentes phases, les différents quartiers que l'on voit ici sur cette petite animation. Donc là, on voit un dernier quartier, une nouvelle lune, un premier croissant qui va arriver, un premier quartier, et puis la pleine lune. Donc la lune change de phase comme cela du fait qu'elle tourne autour de la Terre et qu'elle est éclairée par le Soleil, et que nous, on observe depuis la Terre éclairée par le Soleil, sous différentes orientations. Donc quelle est la période de ce mouvement? Vous le connaissez? 29 jours, quelque chose comme ça. 29,5 jours, c'est ce qu'on appelle une lunaison. Donc c'est le temps qu'il y a entre deux nouvelles lunes, donc la nouvelle lune c'est quand on ne voit pas la lune, quand voilà, c'est juste là la nouvelle lune, ou le temps entre deux pleines lunes, quand la lune est éclairée de face. Donc une lunaison dure 29,5 jours. Donc c'est ce qu'on appelle un mois lunaire, mais en fait on va le voir un petit peu plus tard, il y a différentes définitions du mois lunaire, et les différentes sont intéressantes à observer, pour, à prendre en compte, pour parler des périodicités des éclipses. Alors les éclipses ont lieu au syzygie, j'ai du mal à le prononcer. Qu'est-ce que c'est une syzygie? Une syzygie, c'est quand on a un alignement entre des corps, et donc là en l'occurrence, entre la Lune, le Soleil et la Terre. Donc il y a les syzygies, en gros c'est nouvelle, c'est un mot savant en gros, pour dire nouvelle Lune ou pleine Lune. Les éclipses ont lieu au syzygie. Une éclipse de Soleil, ça a lieu à la nouvelle Lune, donc voici le schéma. On a le Soleil, la Lune qui est entre la Terre et le Soleil. Et quand c'est parfaitement aligné, eh bien on a une ombre de la Lune qui se projette sur la Terre, et si on est juste à cet endroit-là, eh bien le Soleil disparaît, le Soleil est éclipsé par la Lune. Les éclipses de Lune, elles ont lieu à la pleine Lune, donc on a cette configuration-là, le Soleil, la Terre et la Lune derrière, et donc si la Lune passe dans l'ombre de la Terre, eh bien la Lune disparaît ou devient bien moins visible, et c'est ce qu'on appelle une éclipse de Lune. Voilà, donc les éclipses n'ont pas lieu à n'importe quel moment, elles ont lieu au syzygie. Et alors, je vais vous montrer qu'il y a des choses intéressantes au niveau des périodicités dans les éclipses. Il y a aussi pas mal de coïncidences qui font que les éclipses ont certaines périodicités et ont un aspect particulièrement spectaculaire. Donc, il y a quatre grosses coïncidences. La première coïncidence, c'est si on fait le rapport entre le diamètre du Soleil et le diamètre de la Lune, on met les valeurs, 1 400 000 km sur 3 500 km, ça fait 400 à peu près. Le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune. Et si on regarde les distances, la distance au Soleil sur la distance de la Lune, ça fait 150 millions de kilomètres sur un peu moins de 400 000 km, ça fait à peu près 400 également. Donc en gros, le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais 400 fois plus loin. Ce qui fait que, vu depuis la Terre, le Soleil et la Lune ont des tailles comparables. Et globalement, cette taille, c'est quoi? C'est 0,5 degrés de taille angulaire, donc ça fait 30 minutes d'angle. Ils ont à peu près la même taille. Donc, vu depuis la Terre, quand la Lune passe devant le Soleil, elle masque exactement le Soleil, ou quasiment exactement le Soleil, ce qui renforce le côté spectaculaire du phénomène. Et donc ça, eh bien, c'est une coïncidence. C'est la première coïncidence. Alors, parfois, on rajoute une deuxième coïncidence. On dit, oui, mais la Lune s'éloigne progressivement de la Terre. Donc, il y a une autre coïncidence, c'est qu'on est au bon moment. On est justement, la distance est la bonne, parce que vu qu'elle s'éloigne, eh bien, la Lune va être de plus en plus petite, et donc on va avoir de moins en moins d'éclipses totales. Alors ça, c'est en partie vrai, mais je ne dirais pas que c'est une vraie coïncidence, parce que la Lune s'éloigne quand même assez lentement de la Terre. C'est un peu moins de 4 cm par an. Donc, vu que la Lune, elle s'éloigne de la Terre, elle va être de plus en plus petite au fur et à mesure du temps, donc au bout d'un moment, elle n'éclipsera plus jamais le Soleil complètement. On n'aura que des éclipses annulaires avec le disque du Soleil qui ne sera pas complètement éclipsé. Mais ceci dit, ça, ce sera dans quelques centaines de millions d'années, donc ça fait plusieurs centaines de millions d'années, et ça va durer encore plusieurs centaines de millions d'années, donc ce n'est pas vraiment une coïncidence, quoi. Il y avait quand même de grandes chances que ce soit le cas. Par contre, la taille, le rapport 400 entre les tailles et les distances, là, pour le coup, c'est une coïncidence. Si maintenant on regarde dans l'autre sens, non plus la taille de la Lune par rapport à la taille du Soleil, enfin les tailles apparentes, on regarde la taille de l'ombre de la Terre à la distance de la Lune, ce qui va faire une éclipse de Lune quand l'ombre de la Terre se projette sur la Lune. Elle fait 1,4 degré, alors que la Lune fait un demi-degré, donc l'ombre de la Terre est bien plus grosse que la Lune elle-même. Alors ça, c'est une conséquence importante, c'est que la zone de visibilité d'une éclipse va être beaucoup plus étendue que la zone de visibilité d'une éclipse de Lune va être beaucoup plus étendue que la zone de visibilité d'une éclipse de Soleil. Ce qui fait qu'à un endroit donné, une éclipse de Soleil est assez rare, est extrêmement rare, alors qu'une éclipse de Lune, c'est plus fréquent. On voit plus souvent des éclipses de Lune que des éclipses de Soleil, sauf si on est un grand voyageur ou un chasseur d'éclipses de Soleil. Alors pour bien comprendre les périodicités des éclipses, on va parler un petit peu du mouvement de la Lune. Donc le premier mouvement, en combien de temps la Lune tourne-t-elle autour de la Terre? Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est en environ un mois. Et donc on peut commencer par parler de la période de révolution sidérale. C'est-à-dire si on est depuis la Terre, on regarde, la Lune elle bouge dans le ciel, on a vu que c'est à peu près un mois, hein.
Au bout de combien de temps elle va être en face de la même étoile? On prend une étoile dans le ciel, elle part, et puis hop, elle va revenir, enfin elle part plutôt dans l'autre sens, comme ça, et elle va revenir en face de la même étoile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période de révolution sidérale, et donc ça, c'est 27,3 jours. Donc c'est plus court que la période dont on a parlé tout à l'heure, qui est la période de révolution synodique. Synodique, ça veut dire par rapport au Soleil, donc c'était les phases. Et les phases, on a vu qu'elles se reproduisaient avec une période de 29,5 jours. Donc la période de rotation, de révolution pardon, sidérale est plus courte, et de manière assez significative, hein, 2 jours de moins, un peu plus de 2 jours de moins, que la période de révolution synodique. Alors pourquoi? C'est dû au fait que la Terre tourne également autour du Soleil, dans le même sens que la révolution de la Lune autour de la Terre, donc on le voit sur cette petite illustration. On voit ici donc, le Soleil, la Terre et la Lune. On regarde à ce moment, donc la trajectoire de l'orbite de la Terre va être à peu près comme ça, hein, schématiquement. On regarde là, vers la droite, on admet qu'il y a une étoile loin par là, vers votre droite. Donc vu de la Terre, la Lune est en face de cette étoile, et puis là on est en pleine Lune, la Lune est en face et à l'opposé du Soleil. Donc on est en pleine Lune, et donc on va avancer, on va voir, ça tourne, donc la Terre tourne autour du Soleil, et la Lune tourne autour de la Terre, et on se retrouve à cet endroit-là, la Lune est toujours de nouveau dans la direction de l'étoile que l'on voyait tout à l'heure. Et donc là, combien de temps il s'est passé? On a eu une période de révolution sidérale, donc il s'est passé 27,3 jours. Par contre, là, on n'est pas en pleine Lune, parce que la Lune, là, elle n'est pas en face du Soleil, il faut tourner encore un petit peu pour rattraper le mouvement de la Terre qui a un petit peu bougé. Donc la période de révolution synodique, elle, ça va être 29,5 jours, donc 2 jours de plus. C'est la même différence entre la période de rotation de la Terre sidérale, qui fait 23 heures, 56 minutes, et la période de rotation de la Terre synodique, qui fait un 365e de plus, parce qu'en 24 heures, la Terre a tourné d'un 365e autour du Soleil. Donc là, l'explication pour la différence entre la période de rotation sidérale et la période de révolution synodique. Alors les éclipses de Soleil ont lieu à la nouvelle Lune, on l'a vu tout à l'heure, il y a une nouvelle Lune tous les 29,5 jours, donc on se pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas une éclipse chaque mois? Parce qu'il n'y a pas une éclipse chaque mois. Donc généralement, pourquoi il n'y a pas une éclipse chaque mois? C'est parce que généralement, la Lune passe juste au-dessus ou juste en dessous du Soleil, parce que le plan de l'orbite de la Lune autour de la Terre et le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, qu'on appelle l'écliptique, ils ne sont pas confondus, ils font un angle de 5 degrés à peu près. Alors on le voit sur cette illustration, où on voit donc le Soleil, la Terre et la Lune. Donc la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. On a ici le plan de l'écliptique en bleu, donc le plan de l'orbite de la Terre. Et puis le plan de l'orbite de la Lune. Et donc ces deux plans ne sont pas confondus. L'angle fait 5 degrés, c'est exagéré sur cette figure évidemment. Donc on a deux plans qui se croisent, si vous vous souvenez de votre géométrie, l'intersection entre deux plans c'est une droite, donc on appelle ça la ligne des nœuds. Pourquoi? Parce qu'il y a deux nœuds. Quand la Lune croise l'orbite, le plan de l'orbite, le plan de l'écliptique, il y a ce qu'on appelle le nœud ascendant quand elle passe au-dessus, et le nœud descendant quand elle passe en dessous. Enfin bon, c'est une question de convention, il y a deux nœuds. Donc l'interception de l'orbite avec cette ligne des nœuds. Et donc on comprend mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une éclipse à chaque mois. Si on se retrouve ici, par exemple, là on est en pleine Lune quasiment, et bien quand on regarde la Terre, le Soleil, là le Soleil est en dessous de la Lune est au-dessus, donc même si on est en nouvelle Lune, on ne va pas avoir une éclipse. Et ici, pareil, si on regarde vers le Soleil, si la Lune était ici, la Lune sera en dessous du Soleil. Et pareil, si on voulait regarder une éclipse de Lune, donc si la Lune était ici, là l'ombre de la Terre, elle partirait comme ça, donc l'ombre de la Terre passerait en dessous de la Lune, on n'aurait pas d'éclipse. Pour avoir une éclipse, il faut se trouver ici. Sur la ligne des nœuds, il faut que la Lune passe sur la ligne des nœuds. Donc si la Lune passe ici, là on est en nouvelle Lune, elle est sur la ligne des nœuds, on va avoir un parfait alignement. Et si elle est de l'autre côté, on va avoir une éclipse de Lune avec un bon alignement. Et donc on l'a en gros 2 fois dans l'année quand la Lune passe sur la ligne des nœuds. Donc les éclipses n'ont pas lieu aux 6J, enfin pas à toutes les 6J, elles ont lieu aux 6J proches de la ligne des nœuds. Et en gros, il y a une période d'éclipse, parce que la Lune, le Soleil et la Terre ont des tailles finies, hein, ce ne sont pas des points. Et donc, en gros, il y a une période de 17 jours après et 17 jours avant le passage à la ligne des nœuds, pendant lesquels on peut avoir une éclipse. Donc, c'est ce qu'on appelle l'époque des éclipses, et donc ça dure à peu près 34,5 jours, un peu plus qu'une lunaison, donc autour du passage des nœuds, à ces deux endroits ici. Voilà. Donc, c'est ce qui explique, si on a compris tout ça, que les éclipses de Lune et les éclipses de Soleil se suivent en à peu près 15 jours. Si on se trouve ici, là, on va avoir une éclipse de Soleil, et puis 15 jours après, une éclipse de Lune. C'est ce qui explique que l'intervalle entre deux éclipses successives de Soleil ou de Lune, on va rester aux éclipses de Soleil,
Ça peut être un mois si la Lune est au même nœud, c'est-à-dire que vu que la période d'éclipse est 34 jours, en 34 jours, on peut avoir deux nouvelles Lunes si ça tombe bien. On peut en avoir qu'une, mais vu que c'est séparé de 29 jours, ben, si on a du bol, on peut faire tenir 29 jours dans 34 jours. Donc entre deux éclipses de Soleil, il peut y avoir un mois, ou alors 5 ou 6 mois, c'est-à-dire qu'on va avoir une éclipse de Soleil ici, et puis la suivante, ça va être quand on sera de l'autre côté. Donc l'intervalle entre deux éclipses successives de Soleil, c'est un mois, 5 ou 6 mois, à peu près. Et maintenant, plus la Lune est loin du nœud au moment de la syzygie, c'est-à-dire plus la Lune est. Plus on va être loin ici, plus l'éclipse va être partielle. C'est-à-dire que si on est pile au nœud au moment de la syzygie, on va vraiment avoir un très bel alignement, la Lune va être pile en face du Soleil, tout va être bien aligné. Par contre, si on est plus loin, si on est. Donc je vous ai dit que c'était 17 jours d'un côté, 17 jours de l'autre, si on est 15 jours après le passage au nœud, l'alignement ne sera plus bon, et donc en fait on aura juste une partie de la Lune qui cachera le Soleil, et donc on aura une éclipse partielle. Donc plus la Lune est loin du nœud au moment de la syzygie, plus l'éclipse va être partielle. Et enfin, dernière observation, l'intervalle entre deux éclipses totales de Soleil d'une même saison, eh bien c'est généralement 12 lunaisons, c'est-à-dire que si on a une éclipse de Soleil ici avec la Lune qui se trouve ici, pour revenir à la même saison, donc si on refait un tour de la Terre, on revient à cet endroit-là, ça va être 12 lunaisons et ça fait 354 jours, ça fait un an moins 11 jours, ce qui fait que donc on a des éclipses totales, enfin totales ou partielles, des éclipses, non là c'est des totales ou partielles, ça dépend, un peu moins de un an, ce qui fait que si on regarde par exemple dans, je ne sais pas s'il y a des grands voyageurs dans cette salle, mais il y a eu une éclipse totale qui est observable en Mongolie le 1er août 2008, un an moins 11 jours plus tard, il y en avait une qui était visible en Chine le 22 juillet 2009, et encore un an moins 11 jours plus tard, il y en a une qui était observable en Polynésie, à l'île de Pâques, celle que je vous ai montrée à l'île de Pâques, le 11 juillet 2010. Donc un an moins 11 jours, puisque c'était 12 lunaisons plus tard. Voilà. Donc ça, c'était une bonne période, ceux qui ont pris des vacances à ce moment-là, ça tombait en été. On a eu trois étés de suite où les grands voyageurs pouvaient aller observer des éclipses totales de Soleil. Alors on va continuer à compliquer un petit peu ces différents mouvements orbitaux. Donc on va regarder un deuxième point du mouvement de la Lune. On a parlé de la période. Maintenant on va regarder quelle est la forme de l'orbite. Alors ce sont les orbites keplériennes, c'est-à-dire que ce sont des ellipses. La Lune ne fait pas un cercle autour de la Terre, c'est une ellipse avec une excentricité de 0,055, ce qui veut dire que la distance Terre-Lune varie de plus ou moins 5,5%. Donc la distance Terre-Lune, au minimum, ça vaut 363 000 km, au maximum 406 000 km. Donc ce qui fait que vu qu'elle va être plus ou moins loin de la Terre, la Lune, eh bien, elle va avoir une taille apparente qui va varier. Quand elle va être plus loin, elle va paraître un peu plus petite, quand elle va être plus proche, elle va paraître un peu plus grosse. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 30 minutes d'angle la taille de la Lune, c'était en moyenne, à peu près, l'ordre de grandeur. En fait, le minimum, c'est 29,3, le maximum, c'est 33,5. Et si on regarde la taille du Soleil, c'est un petit peu la même chose, parce que la Terre autour du Soleil, ce n'est pas un cercle, c'est à nouveau une orbite keplérienne légèrement elliptique, avec une excentricité de 0,017, donc la distance Terre-Soleil varie de plus ou moins 1,7%, donc la distance varie au minimum c'est 147 millions de kilomètres, au maximum 152 millions de kilomètres, donc la taille apparente du Soleil vue depuis la Terre varie entre 31,5 et 32,5 minutes d'angle. Donc si on regarde à quoi ça correspond, ça c'est les tailles comparées de la Lune, minimum, maximum, la taille apparente vue de la Terre, et du Soleil, taille minimum, taille maximum vue de la Terre. La Lune change plus de... Les variations de taille apparente de la Lune sont plus grandes parce que l'excentricité de l'orbite de la Lune est plus grande que l'excentricité de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc, ça fait que suivant les tailles apparentes du Soleil, mais surtout de la Lune, c'est la Lune qui bouge le plus, vue depuis la Terre, les tailles apparentes de la Lune vues, il manque un E, là, je suis désolé, une petite faute, vu depuis la Terre, les éclipses de Soleil sont plus ou moins longues, totales, annulaires ou mixtes. Alors qu'est-ce que je veux dire? On va considérer que c'est uniquement la Lune qui change de taille, on va considérer que le Soleil ne change pas de taille. Si la Lune est plus grosse, eh bien, le temps qu'elle passe devant le Soleil, ça va durer plus longtemps. Alors que si elle est plus petite, si elle fait juste la taille du Soleil, par exemple, s'ils font exactement la même taille, ça va durer juste un instant l'éclipse. Et si maintenant la Lune est plus petite parce qu'elle est encore plus loin de nous, la Lune va avoir une taille apparente plus petite, la Lune peut faire 29,3 minutes d'angle, donc là elle est plus petite que le Soleil. Dans ce cas-là, on n'a pas une éclipse totale, on a une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'on voit tout le temps le bord, le tour, la couronne, enfin pas la couronne, un anneau autour du Soleil, de la surface du Soleil, de la photosphère du Soleil. Et donc là, il ne fait pas nuit, on a une lumière un petit peu particulière, puis on voit cette espèce d'anneau dans le ciel, et donc on n'a pas une éclipse totale. Et donc maintenant, on va prendre tous ces phénomènes en compte pour parler des périodicités des éclipses, et notamment d'une périodicité
qu'on appelle le Saros, que je vais tout d'abord vous décrire, puis tenter de vous expliquer. Alors pour voir ça, on reporte ici sur ce graphique les différentes éclipses de ces dernières années. Donc là, on voit les différentes années en fonction des mois, en janvier, février, etc., jusqu'à décembre. Et puis, il y a un code. Hein, donc les éclipses de soleil, c'est les ronds. Les éclipses de lune, ce sont les croissants. Une éclipse totale, c'est un rond noir. Une éclipse annulaire, c'est comme cela. Et quand on voit cette forme-là, c'est une éclipse partielle. Et la lune, pareil, totale, partielle ou par la pénombre, donc encore moins centrale. Alors pour bien voir, je vais zoomer sur, je vais agrandir cette zone-là. Donc qu'est-ce que l'on voit sur ce graphique? Tout d'abord, on voit qu'il y a 15 jours entre éclipse de soleil et éclipse de lune. On le voit, là on a une éclipse de soleil, là tout en haut, et 15 jours après, une éclipse de lune. Une éclipse de soleil, 15 jours après, une éclipse de lune. Parfois c'est le contraire, une éclipse de lune, 15 jours après, une éclipse de soleil. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a des éclipses de lune ou de soleil au moment où on passe près de la ligne des nœuds, et puis ça dure 34 jours, et donc pendant ces 34 jours, on a une nouvelle lune et une pleine lune qui suivent en à peu près 15 jours, et donc on a une éclipse de soleil et une éclipse de lune, dans un sens ou dans l'autre, qui se suivent en à peu près 15 jours. Donc ça, je pense qu'on le comprend bien là. Donc la période des éclipses, c'est ce que je disais à l'instant, ça dure 34,5 jours, donc au moment du passage au nœud, ascendant ou descendant, et donc pendant ces 34,5 jours, on peut avoir deux éclipses généralement, ou trois éclipses si on a de la chance, si on a de la chance, si ça tombe bien. Donc généralement, on n'a que deux éclipses pendant ces périodes. Et puis parfois, on en a trois. Vous voyez ici, là, on a trois éclipses pendant ces 34 jours. D'autres endroits, là, tout en haut, là, on a trois éclipses. Généralement, on n'en a que deux. Mais parfois, on peut avoir trois éclipses, de soleil ou de lune, pendant cette période d'éclipse qui dure 34 jours et demi. On voit aussi qu'on a un peu moins d'un an entre deux périodes d'éclipse d'une même saison. Ce sont les 12 lunaisons dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, on voit que si on est tout en haut, là, on était début juin, on avait des éclipses, et après, eh bien, c'est un an et moins 11 jours, donc c'est un petit peu plus tôt. Là, c'est début juin. L'année d'après, en 2003, ça va être fin mai. L'année d'après, ça va être mi-avril, etc. Et donc, vous voyez, on voit ces formes-là décalées vers la gauche, parce que chaque année, on a des éclipses, à peu près au même moment, mais avec une dizaine de jours d'avance, puisque ça fait 12 lunaisons. Donc on voit ces pentes-là, ces graphiques. Sur ces graphiques, les éclipses ont lieu chaque année à peu près à la même période, mais avec 10 jours d'avance chaque année, du fait de ce décalage. Ce qu'on voyait tout à l'heure également, c'est qu'on avait, on l'a dit tout à l'heure, on avait 1, 5 ou 6 mois entre deux éclipses de soleil consécutives ou deux éclipses de lune consécutives. On le voit là, hein, par exemple, ici, on a une éclipse de lune, puis une autre un mois après, et après celle-là, la suivante, c'est 5 mois après. Ou alors celle-là, on a une éclipse de lune là, et la suivante, c'est 6 mois après. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, et donc on le revoit bien sur ce graphique. On a 1, 5 ou 6 mois entre deux éclipses de soleil consécutives ou deux éclipses de lune consécutives. On a des séries courtes. Alors ça, on ne l'a pas encore expliqué, on va le voir un petit peu plus tard. Mais on voit, on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé des éclipses en Mongolie, en Chine et en Polynésie ou à l'île de Pâques. On voit là, par exemple, si on va en 2004... On avait une éclipse partielle ici, non, je vais vous montrer celle-là, elle est plus belle, justement, c'est celle-là, celle de Polynésie. En 2008, là, c'était en Mongolie, donc début août, on en avait une après, vous voyez, on voit quatre éclipses là qui se suivent, et après, ça s'arrête, et avant, il n'y avait pas d'éclipse. Donc, on voit des séries courtes qu'on va essayer de comprendre dans un instant. Et puis, enfin, on a le cycle du Saros, ainsi que des 18 ans et 10 jours. Donc là, il est un petit peu plus difficile à voir, mais on va essayer de voir ça ensemble. Donc pour bien le voir, je monte sur le haut. 18 ans avant 2008, c'est 1990. 18 ans avant 2009, c'est 1991. Donc entre toutes ces éclipses-là et toutes ces éclipses-là, on a 18 ans. Et donc là, qu'est-ce que l'on voit? On commence par une éclipse de soleil annulaire, puis une éclipse totale de lune. 18 ans plus tard, 18 ans et 10 jours, un petit peu décalé, une éclipse annulaire de soleil, puis une éclipse totale de lune. À nouveau en 90, après on a une éclipse totale de soleil, puis une éclipse partielle de lune. Pareil, 18 ans plus tard, une éclipse totale de soleil, une éclipse partielle de lune. Si vous regardez, on voit exactement le même enchaînement, la même suite d'éclipses, totale, partielle, annulaire, ça marche tout le temps, on ne peut pas se tromper. Là, on voit trois éclipses annulaires de soleil, vous voyez, 18 ans plus tard, trois éclipses annulaires de soleil. Ça se suit exactement avec, avec le même ordre. 18 ans et 10 jours, donc c'est un petit peu décalé. L'éclipse annulaire là, elle était fin janvier, 18 ans plus tard, elle est début février. 18 ans et 10 jours plus tard. Donc c'est quelque chose d'assez spectaculaire, on voit que ça se reproduit comme cela, les trois éclipses totales de soleil, on les voit là, 18 ans avant, hop, on les voit là également. Donc ce phénomène-là, ça s'appelle le Saros, donc là on a vu de quoi il s'agissait, et on va essayer de comprendre. Alors déjà, c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité, alors il n'est pas connu
par, il n'est pas connu sous ce nom-là depuis l'Antiquité, mais les périodicités des éclipses sont connues depuis l'Antiquité, en fait, à partir des observations des éclipses de Lune. Les éclipses de Lune, on les voit plus souvent, donc c'était plus facile de se rendre compte. Il y avait des gens qui passaient leur temps à observer le ciel, donc ils avaient des bonnes connaissances de ça. Par contre, les éclipses de Soleil, là, dans l'Antiquité, c'était plus difficile de les voir. On en voyait une quand on en avait une chez nous, mais les gens avaient plus de difficultés à voyager. Donc ce phénomène-là, cette périodicité de un peu plus de 18 ans, 18 ans et 10 jours, est connue depuis l'Antiquité. La dénomination Saros a été donnée par l'astronome anglais Edmund Halley, mais en fait en faisant une confusion entre autre chose qui s'appelait Saros et ce propre phénomène. Mais donc c'est resté, le terme est resté. En fait la confusion a été soulignée par Guillaume Le Gentil, un astronome français qui est connu parce qu'il a essayé d'observer deux transits de Vénus et il a loupé les deux. J'essaierai d'en parler un petit peu à la fin si j'ai un petit peu de temps. Mais donc il a eu plus de succès, en tout cas lui qui a trouvé l'erreur, qui a souligné l'erreur qu'avait commise Halley pour appeler ce cycle-là le cycle de Saros. Mais le nom est resté, donc on continue à appeler ça Saros, même si les antiques n'appelaient pas ça Saros. Mais en tout cas, ce cycle-là de 18 ans était connu depuis l'Antiquité. Alors, pour bien le comprendre, il faut prendre en compte les différentes périodes dont on parlait tout à l'heure. Donc tout d'abord, la période de rotation synodique. Donc je vous rappelle, la période de rotation synodique, c'est la révolution synodique. C'est la révolution de la Lune par rapport au Soleil, c'est la période des phases de la Lune. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on va avoir une éclipse ou qu'on ne va pas avoir une éclipse, puisqu'on a une éclipse à chaque... Si on prenait juste une éclipse de Soleil, on a une éclipse uniquement à chaque nouvelle Lune, donc on a une nouvelle Lune à chaque période synodique. Il va falloir prendre en compte la période de passage au nœud, et donc ça on a vu pourquoi, puisqu'on a une éclipse seulement si on est au moment du passage du nœud. Si on n'est pas au moment du passage au nœud, on n'a pas d'éclipse. C'est ce qui va faire également les périodes de passage au nœud, le fait que l'éclipse est partielle ou totale. Vous vous souvenez, dans le Saros, les éclipses partielles ou totales se reproduisent également dans le même ordre au bout de 18 ans. Donc il faut prendre ça en compte, et donc ça va être commandé par la période de passage sur la ligne des nœuds. C'est ce qui va faire également la zone de visibilité sur la Terre. Parce que tous les 18 ans également, les zones de visibilité sur la Terre sont à peu près les mêmes. On va le voir également dans un instant. Et donc ça, pourquoi est-ce que ça dépend du passage sur la ligne des nœuds? Eh bien, si la Lune est un petit peu en dessous de la ligne des nœuds, eh bien, l'éclipse, on va plutôt la voir dans l'hémisphère sud, alors que si la Lune est un petit peu au-dessus de la ligne des nœuds, l'ombre va être plutôt vers le nord, et donc on va voir l'éclipse plutôt dans l'hémisphère nord sur la Terre. Et enfin, le dernier point qu'il faut prendre en compte, c'est les distances Terre-Lune et Terre-Soleil. C'est ce qui va faire les périodes entre les éclipses annulaires ou pas annulaires, puisque si la Lune est plus loin de la Terre, on va avoir une éclipse annulaire. S'il est plus proche, on va avoir une éclipse totale. Et si vous vous souvenez, dans le Saros, les éclipses annulaires et totales se reproduisaient également avec une périodicité d'à peu près 18 ans. Donc la distance Terre-Lune, c'est ce qui va faire la durée des éclipses, hein, comme on vient de le dire, et ce qui va faire que les éclipses sont annulaires ou totales. Donc on voit tous ces phénomènes avec toutes ces choses différentes, toutes ces périodes différentes, on a du mal à comprendre que ça va se reproduire avec une certaine période, et pourtant vous allez le voir, ça se reproduit avec une certaine période, et donc pour bien le comprendre, il faut voir un troisième aspect du mouvement de la Lune. Je vous rappelle, tout à l'heure on a parlé, le premier aspect c'était la période de révolution de la Lune, après on a vu que ce n'était pas une orbite circulaire mais une orbite elliptique, c'était une orbite keplérienne, donc maintenant on va voir un troisième degré d'affinement de l'orbite de la Lune. En fait l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas une orbite keplérienne, ou pas exactement. Si on considère, si vous avez fait des études de physique ou au moins au lycée, je crois qu'on fait un petit peu ça, on prend un problème à deux corps qui s'attirent par la gravité, l'orbite d'un corps, le corps le moins massif autour de l'autre, c'est une keplérienne. Eh bien en fait, la Lune n'a pas une orbite exactement keplérienne autour de la Terre. Pourquoi? Alors je vais vous montrer juste les mouvements qu'il y a d'abord. Donc il y a deux mouvements en plus du mouvement simplement de la Lune en à peu près un mois sur une orbite elliptique. C'est tout d'abord un mouvement de précession du plan de son orbite, qui a une période de 18,6 ans. Et un deuxième mouvement, un mouvement de récession du périgée dans ce plan, qui a une période de 8,8 ans. Alors, ce sont des mots un peu compliqués, je vais essayer de vous montrer de quoi il s'agit. Le mouvement de précession du plan de son orbite, c'est donc un mouvement de précession, c'est un peu un mouvement de toupie. Quand on prend une toupie, si l'axe de la toupie tourne comme cela, on appelle ça un mouvement de précession. Eh bien, le plan de l'orbite de la Lune a un mouvement de précession, avec une période de 18 ans, de 18,6 ans. Et donc ça veut dire que la ligne des nœuds, elle tourne. Elle n'est pas toujours orientée vers l'étoile qui se trouverait par là-bas, elle tourne et elle fait un tour à un peu plus de 18 ans. Ça, c'est le mouvement de précession. Et le deuxième mouvement de précession du plan de l'orbite de la Lune. Et le deuxième mouvement, c'est le mouvement de récession du périgée dans ce plan. Alors c'est encore plus compliqué. Enfin, plus compliqué, pas vraiment, mais c'est un autre mouvement. L'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas un cercle, c'est une ellipse. Donc il y a un endroit où la Lune est au plus près du Soleil, de la Terre, pardon, la Lune tourne autour de la Terre, pas du Soleil, on se comprend. Il y a un moment sur l'orbite où la Lune est au plus près de la Terre.
eh bien cet endroit change, n'est pas tout le temps le même, il tourne, il n'est pas tout, par exemple, mais donc soit ici, eh bien il tourne comme cela avec une période de 9 ans. C'est-à-dire que l'ellipse de l'orbite tourne comme cela autour de la Terre avec une période de 9 ans. Ce sont des mouvements importants, des mouvements avec des périodes de 18, des périodes de 9 ans, donc tous on a un peu plus de 9 et 18 ans, donc on a vu plusieurs fois ces mouvements, plusieurs périodes depuis notre naissance, donc ce sont des mouvements assez significatifs et avec des grandes amplitudes. On appelle ça des mouvements séculaires, alors c'est pas séculaire, c'est plutôt quelques années, quelques dizaines d'années, mais on appelle les mouvements séculaires les mouvements en plus des mouvements kepleriens. Le mouvement kepleriens, c'est juste le fait que la Lune soit sur une ellipse autour de la Terre, une ellipse qui ne bougerait pas, mais en fait cette ellipse, on sait qu'elle bouge puisque le plan précesse, et dans ce plan qui précesse, l'ellipse tourne, donc avec des périodes de 18 et 9 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces mouvements? Ces mouvements, si on prenait uniquement le système Terre-Lune, on aurait uniquement une orbite keplérienne, l'orbite ne bougerait pas, il n'y aurait pas de précession, il n'y aurait pas de récession, uniquement une ellipse qui ne changerait pas, mais en fait il n'y a pas que ça dans le système, il y a surtout le Soleil. Le Soleil influence, a des effets gravitationnels sur la Lune et sur la Terre, et donc il perturbe un petit peu le mouvement parfait keplérien du système Terre-Lune. Et donc l'effet du Soleil, en gros, c'est d'avoir ces deux mouvements de précession du plan de l'orbite de la Lune et de récession du périgée dans ce plan. Alors juste un petit point, il y a une période de 18,6 ans, et je vous ai dit que le Saro, c'était 18 ans et 10 jours. Alors il y a deux fois 18 ans, là aussi c'est un peu un hasard, ce ne sont pas les mêmes périodes. Le Saro, c'est 18 ans et 10 jours, la période de précession du plan de l'orbite de la Lune, c'est 18,6 ans, donc 18 ans et 7 mois, quelque chose comme ça. Alors avec tous ces mouvements, vous arrivez à me suivre, ça se complique, on peut définir plusieurs mois lunaires. Alors on va reprendre ce qu'on a déjà vu, le premier mois lunaire, c'est le mois sidéral, ça on a vu, c'est facile, c'est vu depuis la Terre, au bout de combien de temps la Lune va revenir en face d'une même étoile lointaine. Donc ça on a vu, c'est la période de révolution sidérale, c'est 27,3 jours. Alors il y en a un autre, c'est le mois tropique, mais on ne va pas en parler. On va parler maintenant du mois synodique, ça on l'a déjà vu également. Le mois synodique, c'est le temps entre deux nouvelles lunes ou deux pleines lunes. C'est donc l'orientation de la Lune par rapport au Soleil vu depuis la Terre. Et donc ça on l'a vu, hein, c'est 29,5 jours. Donc ces deux mois lunaires, le sidéral, le synodique, on les a déjà vus. Maintenant on va en voir deux supplémentaires qui sont liés au fait qu'il y a deux mouvements supplémentaires dont on vient de parler. Le mois draconique ou draconitique, je ne sais jamais comment on dit, moi j'ai mis draconique. Donc ça c'est le passage de la Lune sur la ligne des nœuds. Vous vous souvenez de la ligne des nœuds, hein, l'intersection entre le plan de l'orbite de la Lune et le plan de l'orbite de la Terre. Et donc ça, c'est 27,2 jours, c'est 2h38 plus court que le mois sidéral. Pourquoi c'est plus court? Parce qu'il y a ce mouvement de précession dans le plan, le mouvement de précession du plan de l'orbite de la Lune. Donc ce n'est pas exactement la même durée que le mois sidéral, puisque ce plan bouge. Donc le mois draconique, il dure 2h38 plus court que le mois sidéral. Maintenant, le dernier mois, le mois anomalistique. Le mois anomalistique, c'est par rapport au passage au périgée. Le périgée, c'est le passage où la Lune est au plus près du Soleil. Et donc là, à nouveau, ce n'est pas exactement la même chose que le mois sidéral, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a un mouvement de récession de cette ellipse dans le plan de l'orbite de la Lune. Donc le périgée est de plus en plus tôt. Donc le mois anomalistique est 5h35 plus long que le mois sidéral. Donc ces durées sont à peu près les mêmes, mais ont des petites différences. Et en gros, vous vous souvenez, je vous ai dit, pour comprendre le Saros, il faut parler de pleine lune et de nouvelle lune, donc du mois synodique, de passage au nœud, donc de mois draconique, et de la distance Terre-Lune et Terre-Soleil, enfin Terre-Lune, on va parler surtout, donc ça c'est le mois anomalistique. Donc il faut prendre en compte ces trois mois-là, qui ont des périodes différentes, 29,5 jours, 27,2 jours, 27,5 jours, pour essayer de trouver des périodicités aux différentes éclipses que l'on voit. Alors ça paraît un petit peu surprenant, on se dit avec tous ces mois, toutes ces durées différentes, il y a quand même peu de chances que la même configuration se reproduise. Eh bien quand même elle se reproduit, alors déjà on peut toujours trouver des communs multiples à n'importe quel nombre, il suffit de faire le plus petit commun multiple, ça aussi on a appris ça à l'école, donc on en trouve toujours, mais généralement des nombres avec plein de virgules, les plus petits communs multiples, ils sont quand même assez grands. Eh bien, c'est là que vous allez voir qu'il y a une autre coïncidence, c'est qu'en fait on va trouver des communs multiples qui ne sont pas trop grands. Donc on cherche des multiples communs, ou à peu près communs. Alors, je vais l'expliquer d'une autre méthode, là, ça c'est quelque chose qui m'a été donné par un collègue. Alors, quand y a-t-il une éclipse? Ici, alors la Lune n'est pas en quartier, hein, c'est juste un symbole pour représenter la Lune, on voit le Soleil en blanc et la Lune en jaune devant. Donc on a une éclipse totale de Soleil, de Lune, une éclipse totale de Soleil, quand on est en nouvelle Lune, et quand la Lune passe sur la ligne des nœuds, dans cette configuration-là. Alors après, la Lune continue à tourner autour de la Terre,
On revient 27,2 jours plus tard, donc un mois draconique plus tard, la Lune revient sur la ligne des nœuds. Elle croise de nouveau le plan de l'écliptique. On est 27 jours plus tard. Mais on n'est pas en nouvelle Lune, puisque la nouvelle Lune, ça va être, ça ne va pas être 27,2 jours plus tard, ça va être 29,5 jours plus tard. Et 29,5 jours plus tard, on n'est plus sur la ligne des nœuds, donc on n'a plus d'éclipse. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas une éclipse tous les mois, et bien c'est pour ça. Et donc on voit, en gros, si on a une éclipse ici, en fonction du temps, la nouvelle lune suivante, ça va être 29,5 jours plus tard, le passage au nœud suivant, ça va être 27,2 jours plus tard, un mois draconique plus tard. Et donc là, ça ne correspond pas, on n'a plus d'éclipse de soleil, pardon. Et donc on continue, on attend, et on va attendre le temps qu'il faut pour que, hop, ça corresponde à nouveau, et à nouveau, on va avoir une éclipse de soleil. Donc en gros, ce que l'on cherche, c'est un commun multiple entre cette durée-là, 29 jours, et cette durée-là, 27 jours. Combien de fois on peut mettre 27,2 jours dans 29,5 jours multipliés par un certain facteur? Donc quand y a-t-il une éclipse? Il y a une éclipse quand il y a une nouvelle lune, donc ça arrive tous les n fois 29,5 jours, tous les mois synodiques, et il y a une éclipse totale de soleil à nouveau, quand la Lune croise un nœud, donc ça a lieu tous les 27,2 jours, donc tous les P fois 27,2 jours, tous les mois draconiques. Alors en fait, une petite subtilité, c'est pas P, c'est P ou P plus 5, parce qu'on peut avoir une éclipse à chacun des deux nœuds. Donc ça peut être... Bon, on va oublier ce petit détail. Donc il peut y avoir une éclipse tous les X jours, si X jours égale N fois 29,5 jours égale P fois 27,2 jours, donc où N et P sont des entiers. Donc en gros, on cherche un plus petit commun multiple entre 29,5 et 27,2. Ou à peu près un plus petit commun multiple. Alors il y a une bonne solution, une première solution, c'est si n égale 12, ça fait 354 jours, et si p égale 13, ça fait 353 jours. Donc 12 mois synodiques, ça fait 13 mois draconiques à 14 heures près. Donc ce n'est pas une trop mauvaise solution, et ça fait, cette durée-là, ça fait un an moins 11 jours. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, c'était les séries courtes, les éclipses dont j'ai parlé tout à l'heure, l'été 2008 en Mongolie, l'été 2009 en Chine, et l'été 2010 en Polynésie ou à l'île de Pâques. Mais il y a des décalages, c'est-à-dire qu'il y a un petit décalage de 14 heures à chaque fois. Donc au bout d'un moment, on va avoir un suffisamment gros décalage pour que l'éclipse ne soit plus totale, elle devienne partielle, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'éclipse du tout. Ce qui fait que ce sont des séries courtes. En fait, on voyait, c'était 4 éclipses à la suite, enfin à un an, moins 11 jours de suite, et puis après, l'alignement n'est plus assez bon parce que le décalage a été trop grand, et donc on n'a plus d'éclipse. Donc c'est ce que l'on voit ici, les séries courtes, là, c'est celle-là dont on parlait. On a une éclipse, là on a un bon alignement, total, puis partiel, puis hop, il n'y a plus d'éclipse. Généralement, ça commence, l'alignement n'est pas terrible, on a partiel, puis total ou annulaire, puis partiel, puis on n'a plus d'éclipse. Et on voit, ça marche à chaque fois, quasiment, enfin, à chaque fois on a 4 éclipses qui se suivent, lune, partielle ou pénombre, total, partiel, puis hop, là il n'y a plus d'alignement. Donc avant il n'y avait pas un bon alignement, l'alignement est devenu bon, 4 années de suite, et puis il n'y a plus d'alignement. Donc ça, ce sont les séries courtes, dû au fait qu'on a une première solution avec n et p égale 12 et 13. Mais il y a une bien meilleure solution. La bien meilleure solution, c'est si n égale 223, ça fait 6582 jours, 32, ou si p égale 242, et donc ça fait 6585, 36 jours. Alors je résume, 223 mois synodiques, ça fait 242 mois draconiques, à 52 minutes près. Donc vraiment, c'est pas si mauvais comme coïncidence, l'accord est presque bon. Et donc ça fait 18 ans, 10 ou 11 jours et 8 heures. Alors pourquoi 10 ou 11 jours? C'est parce que dans ces 18 ans, on peut avoir 5 ou 6 années bissextiles, donc ça va changer suivant le moment où on se trouve, on aura 10 ou 11 jours. En gros, 18 ans et 10 jours, on va simplifier, et 8 heures. Donc les éclipses de même nature se reproduisent à cette période et sur des bandes de visibilité similaires, car la distance du Soleil au nœud est la même au moment de la syzygie. On a des nouvelles lunes qui se produisent à la même fréquence, et le passage au nœud, la même configuration par rapport au passage des nœuds, à la ligne des nœuds, qui va se reproduire avec cette périodicité. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on va avoir une périodicité dans les éclipses, comme on le voyait tout à l'heure. Mais il y a encore plus fort. Donc on vient de le voir, 223 mois synodiques, ça fait 242 mois draconiques, à 52 minutes près, et il se trouve, par coïncidence, que ça fait également 239 mois anomalistiques, à 5 heures près. C'est un peu moins bon, mais c'est presque bon. Anomalistique, je vous rappelle, c'est le passage au périgée. Donc c'est ce qui va faire la taille de la Lune qui va être plus ou moins grosse. Donc la distance apparente, la taille apparente de la Lune va également se reproduire avec cette même période. Et là, c'est une coïncidence. Il n'y avait aucune raison que ce PPCM, là, entre 223 et 242, soit également un commun multiple, ou quasiment à 5 heures près, du nombre de mois anomalistiques. Donc ça veut dire que la durée
Des éclipses, puisque je vous rappelle, hein, si la Lune est plus ou moins longue, ça veut dire que l'éclipse va être plus... Si la Lune est plus ou moins grosse, car plus ou moins proche de la Terre, ça fait que l'éclipse va être plus ou moins longue. Et le fait qu'on ait des éclipses totales ou annulaires, ça va également se reproduire avec une période de 18 ans et 10 jours. Donc ça, c'est vraiment une coïncidence. Et il y a encore plus fort. J'ai dit qu'il y avait 3 coïncidences. 4, je crois, j'ai dit. J'en suis à 2 seulement. Donc il en reste encore 2. Donc la troisième, c'est celle-là. Il se trouve que cette durée, c'est 18 ans et 10 jours et 8 heures. 18 ans et 10 jours, c'est presque un nombre entier d'années. Donc vu que c'est presque un nombre entier d'années, la distance Terre-Soleil également se reproduit avec cette période. Ou quasiment, c'est pas exactement 18 ans, c'est 18 ans et 10 jours. Il se trouve que là, il y a moins de précession. La Terre autour du Soleil, elle précesse en 26 000 ans, donc sur 18 ans, il ne se passe pas grand-chose, même sur quelques siècles, il ne se passe pas grand-chose. Donc la distance Terre-Soleil est également la même avec cette période de Saros, ce qui va renforcer la similitude des éclipses. Là, la période de révolution Terre-Soleil, c'est ce qui fait que le Soleil va être plus ou moins gros, puisque la Terre est sur une ellipse autour du Soleil, donc vu depuis la Terre, le Soleil est plus ou moins gros. Et la taille du Soleil est moins importante que la taille de la Lune, puisque la Lune bouge plus de taille apparente, puisque l'excentricité est plus grande, mais le Soleil bouge un petit peu, l'orbite de la Terre a une petite excentricité, on l'a vu tout à l'heure, donc la taille apparente du Soleil bouge un petit peu, et elle bouge également à peu près, elle bouge avec une période de 18 ans, donc 18 ans et 10 jours, c'est quasiment la période de variation de taille apparente du Soleil. Donc c'est la troisième coïncidence, il se trouve que ce PPCM entre ces trois mois est également à peu près commensurable, avec un nombre entier de fois, la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Donc là, je pense qu'on a compris le Saros, non ? Si vous avez réussi à me suivre, normalement, là, on a compris le Saros. On comprend pourquoi. On a une éclipse annulaire de Soleil, et si on revient 18 ans, 10 jours plus tard, et 10 jours plus tard, on a... à nouveau une nouvelle Lune, parce qu'on a, je ne sais plus combien, 222, 223 mois synodiques, synodiques. On a la même position de la Lune par rapport à la Lune des nœuds, parce qu'on a 242 fois des mois draconiques, donc des passages aux nœuds. On a à peu près la même taille apparente de la Lune, parce qu'on a 239 fois des mois anomalistiques, donc des passages au périgée. Et on a à peu près la même taille apparente du Soleil, parce que c'est quasiment 18 ans après. 18 ans et 10 jours, mais c'est quasiment 18 ans. Ce qui fait que donc, les éclipses se reproduisent. Là, comme on voit, on a une annulaire, et puis bah, 6 mois après, c'était une totale, il y en a la même chose qui se reproduit. Et donc, on a aussi la position, on les voit sur la Terre, va être à peu près la même. Là, par exemple, on voit une éclipse le 21 juin 2001. On voit ici, c'est la bande de totalité. Sur toute cette zone géographique, on voit l'éclipse totale de Soleil. Si on est au-dessus, elle sera partielle. Si on est très loin, on n'aura pas l'éclipse. Mais si on est sur cette bande de totalité, le 21 juin 2001, on a vu une éclipse totale de Soleil. Si on revient 18 ans et 10 jours plus tard, eh bien, c'est ici le 2 juillet 2019, à peu près la même forme, vous voyez. La même forme, on le voit à peu près au même endroit, parce que la position de la Lune par rapport au nœud, c'était un petit peu vers le bas, là, donc on le voit un peu plutôt dans l'hémisphère sud, et ça a la même forme sur la Terre. L'épaisseur de cette bande de totalité, c'est ce qui fait que l'orbite va être l'éclipse va être plus ou moins longue, et donc on voit que c'est à peu près la même épaisseur. Là, elle est très fin ici, bah, c'est la prochaine éclipse, là, le 3 novembre prochain, qui va être extrêmement courte. Donc ça se reproduit. Et alors, il y a une quatrième coïncidence, qui est un peu moins bonne que les autres, mais qui est quand même pas mal. Il se trouve que, je vous ai dit, le Saros, c'est 18 ans, 10 jours et 8 heures. Et 8 heures, c'est un tiers de 24 heures. C'est un tiers de rotation terrestre. C'est ce qui fait que quand on a une éclipse ici, et bah, 18 ans, 10 jours plus tard, on la voit décalée de 8 heures vers l'ouest, parce que c'est 8 heures plus tard. Donc la coïncidence 3, c'est que 8 heures, c'est un tiers de rotation terrestre, parce que bah, vous me voyez venir, si on fait un tiers de rotation terrestre 18 ans plus tard, on a fait un tiers, encore 18 ans plus tard, on a fait un deuxième tiers, et 54 ans plus tard, et 34 jours, on a fait tout le tour. Donc on est revenu au même endroit. Bah, ça, c'est un nom, 3 Saros, ça fait 54 ans et 34 jours, ça s'appelle un exéligmos, donc on a une périodicité dans les éclipses de 54 ans à peu près. Alors on le voit aussi sur ces dessins-là, là on voit l'éclipse du 22 juillet 2009, un Saros plus tard, on l'avait donc décalé de 8 heures le 2 août 2027, enfin on l'aura. Encore 18 ans après, on sera ici. Et 54 ans après, eh bien on sera ici. Alors c'est un peu décalé, hein. Je dis qu'elle se reproduit de la même manière, c'est un petit peu décalé. Elle est un petit peu vers le sud parce que l'alignement est un petit peu moins bon. C'est tous ces mois dont je vous ai parlé ne sont pas exactement commensurables, mais quasiment commensurables. Donc on a un petit décalage parce que la Lune est un petit peu plus basse par rapport à la ligne des nœuds. Donc elle est un petit peu décalée vers le sud, la zone de totalité de l'éclipse. Mais c'est à peu près la même éclipse. Vous voyez, c'est la même épaisseur, la même forme, la même zone géographique sur la Terre, etc. Et donc, alors, ces trois périodes, hein, synodiques, anomalistiques et draconiques,
elles sont à peu près commensurables, mais pas exactement. Ce qui fait qu'on a quand même des petits décalages. Et donc un Saros, en fait, on va avoir une éclipse qui va se reproduire au bout de 18 ans, puis une autre 18 ans plus tard. Au bout d'un moment, l'alignement ne va plus être bon, donc on ne va plus avoir d'éclipse. Et donc en fait, un cycle de Saros, ce sont des éclipses qui se reproduisent tous les 18 ans. Donc un cycle de Saros dure entre 1200 et 1500 ans à peu près. Et à l'intérieur de ça, on a entre 69 et 87 éclipses qui sont au début partielles, quand l'alignement n'est pas très bon, puis l'alignement devient meilleur, donc on a des éclipses totales, puis l'alignement devient moins bon, on a des éclipses partielles, puis on n'a plus du tout d'éclipses. Et donc on le voit sur cette animation, alors là il faut se concentrer pour comprendre ce que l'on voit, que voit-on? Chaque image, c'est une éclipse, la zone de visibilité de l'éclipse projetée sur le globe terrestre, en bleu c'est la zone de totalité, en vert c'est les zones où on voit seulement une phase partielle de l'éclipse. Et entre chaque image, il y a 18 ans et 10 jours. Donc on voit les différentes éclipses qui se produisent un Saros plus tard. Donc ça commence ici, là, des éclipses partielles, un petit peu pourries, hop, là, ça devient une éclipse totale, et puis l'alignement devient moins bon, et puis on a une éclipse partielle, et puis on n'a plus du tout d'éclipse. Alors on voit les années ici, vous voyez, ça avance vite, hein, puisqu'entre chaque image, il y a 18 ans, 10 jours et 8 heures. Voilà, donc on voit un cycle d'éclipses. Donc en fait, les éclipses ne se reproduisent pas exactement tous les 18 ans, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et donc si vous avez, peut-être certains d'entre vous ont été très attentifs, et vous avez vu au début, je vous ai dit que les éclipses se reproduisaient exactement sur ce graphique, et en fait il y en a une, non. Alors c'est celle-là. Là on voit, il y a une éclipse partielle de Lune, puis une éclipse partielle de Soleil, pardon, puis une éclipse totale de Lune. On revient 18 ans plus tard, il y en a une autre qui est apparue là. Elle n'y était pas 18 ans avant. Donc là je pense qu'on a compris, cette éclipse-là, c'était la première dans Saros. Donc est-ce que ça va être une éclipse très belle, très centrale? Non, ça va être une éclipse qui va être très mauvaise, puisque 18 ans avant, il n'y avait pas d'éclipse. Donc là, c'est la première où on a un vague alignement. Donc on la regarde, cette éclipse, c'était, bah, elle a eu lieu le début juillet 2011. Voilà, le début d'un Saros, c'était celle-là, c'était le 1er juillet 2011. L'éclipse était visible ici. Donc complètement au sud de la Terre, elle n'était pas totale, il n'y a pas de bande bleue, c'était juste une éclipse partielle qu'on voyait au sud de la Terre, et donc 18 ans avant, l'ombre était ici, donc elle était en dehors de la Terre, il n'y avait pas d'éclipse. Alors pour finir, en se détendant un petit peu, on va justement comprendre un petit peu ces périodicités en se souvenant des éclipses qu'on a pu voir, certains d'entre nous. Donc l'éclipse totale de Soleil du 11 août 1999, la dernière qui a été visible en France métropolitaine. Alors qui l'a vue celle-là? Ouais, bon, on l'a quasiment tous vue. Donc c'est un bon souvenir pour beaucoup. Je ne vais pas demander qui l'a loupé, parce que malheureusement, il y a eu des nuages dans beaucoup d'endroits. Donc je pense qu'il y en a quand même certains d'entre nous qui n'ont pas pu bien la voir. Pas en totalité. Ouais. Donc là, on voit la zone sur laquelle l'éclipse était totale. Donc ça traversait l'Atlantique, la France, l'Europe, et puis jusqu'en Inde. Et donc si on regarde 18 ans, 10 heures, 10 jours, pardon, et 8 heures plus tard, eh bien on aura la même éclipse, vous voyez que c'est la même forme à peu près, mais le 21 août 2017, donc en gros à chaque fois qu'on a une éclipse en France, 18 ans plus tard et 10 jours, on a la même aux États-Unis. Donc vous pouvez déjà réserver vos billets d'avion, là ça va traverser tous les États-Unis, ce sera en plein mois d'août, là vraiment il faut aller en vacances aux États-Unis à ce moment-là. Et si on regarde encore 18 ans plus tard, eh bien là on va être en Asie. Donc voilà ce qu'on va voir, elle sera visible en Chine, au Japon et puis dans le Pacifique. Donc le 2 septembre 2035, bon là ça commence à faire un petit peu loin. Et si on va encore plus loin, on se souvient de l'éclipse de 99, on va regarder un exéligmos plus tard, donc 54 ans après, eh bien on va avoir à peu près la même éclipse, ce sera le 12 septembre 2053, bon, un petit peu lointain. Mais donc, on compare hein, l'éclipse du 11 août 99 avec l'éclipse du 12 septembre 2053, c'est à peu près la même éclipse, bon, un petit peu décalé vers le sud, hein. Mais donc un exéligmos, alors c'est pas donné à tout le monde de voir deux éclipses d'un même exéligmos. Il faut observer deux éclipses à 54 ans d'intervalle, mais je pense que c'est quand même une émotion qui doit être assez étonnante. Et je pense que certains d'entre vous peuvent ressentir cette émotion si je vous parle de l'éclipse du 15 février 1961. Alors là, qui l'a vu? Un petit peu moins, mais certains quand même, c'est pas nul. Alors moi, je ne l'ai pas vu, évidemment. Alors qui l'a vu total? Ah, une personne. Bon, c'est pas mal. Alors c'était ici l'éclipse, donc si vous étiez disponible pour observer le ciel ce jour-là, l'éclipse était totale dans cette région-là. Donc tous ceux qui étaient au nord, si vous avez eu l'éclipse, c'était une éclipse partielle. Et puis l'éclipse était totale ici, bah, ça traversait le sud, et notamment à l'observatoire d'Haute-Provence, elle a pu être observée. L'observatoire d'Haute-Provence est juste ici, donc il était en dessous de la ligne de totalité, donc c'est vraiment... exceptionnel d'avoir un observatoire qui pouvait observer une éclipse. Alors, on a un petit peu parlé dans la presse, hein, j'ai vu ça, enfin, il y avait un avion qui s'était écrasé, donc on a plus parlé de ça, mais ça faisait quand même la une de certains journaux.
Alors, l'éclipse du 15 février 61 était ici. Et donc, si on regarde 18 ans plus tard, à chaque fois, après la France, ça passe aux États-Unis 18 ans plus tard, après, c'est l'Asie. Et donc, un exéligmos plus tard, 1961, ça va être ici, 54 ans après, le 20 mars 2015. Donc, le 20 mars 2015, les quelques personnes qui ont vu l'éclipse de 1961, si vous allez, bon, alors c'est par là, ça va se retrouver ici, la bande de totalité. Alors, il n'y a pas beaucoup de terre, malheureusement. Il y aura l'effet Roé. L'effet Roé, et puis, je me souviens même plus du nom de cette île, là, c'est écrit, mais enfin, dans cette région-là, on pourra avoir l'éclipse s'il fait beau. Donc, les personnes qui ont eu la chance de voir l'éclipse de 1961, eh ben, si vous allez voyager là, vous pourrez voir deux éclipses d'un même exéligmos. Là, quand même, je pense que ça vaut le coup d'aller voyager dans ces pays de soleil. Pardon, il y a une petite faute, là. Voilà. Alors, pour ceux qui voyagent moins, on peut se poser la question, bah, si on a vu l'éclipse de 99, quand va être la prochaine éclipse? Donc ça, ce sont les prochaines éclipses totales et annulaires de soleil en France. Donc la prochaine métropolitaine, 2059, 75, etc., voilà les tracés. Donc malheureusement, pour nous, il va falloir être patient, voir ça va être difficile. Donc pour voir une éclipse, soit il faut attendre, mais parfois il faut attendre très longtemps, ou alors il faut voyager. Alors on peut voyager même loin en France, et par exemple, s'il y aura une éclipse annulaire en France, enfin à Madagascar et en France d'outre-mer, à La Réunion, le 1er septembre 2016. Donc ça, c'est dans pas si longtemps, on peut envisager faire un tel voyage. Alors je donne quelques dates pour si vous voulez faire des voyages, mais donc ça, je pense que vous pourrez le trouver facilement. Donc les prochaines éclipses, donc dans quelques semaines, on va en avoir une qui sera visible en Afrique. Une éclipse hybride, c'est-à-dire qu'elle a des phases annulaires et des phases totales suivant l'endroit où on se trouve sur la bande de totalité. Donc la partie totale est extrêmement courte. Une éclipse qui dure juste quelques secondes, donc ça va être vraiment très impressionnant parce qu'on voit tout le bord du soleil, mais juste pendant quelques secondes. Et donc les suivantes, alors on voit à nouveau les périodicités. Hein. Une éclipse, là, le 20 mars 2015, la suivante, un mois et 11 jours, et moins 11 jours plus tard, c'est les séries courtes, le 9 mars. Après la série, si, 26 février, donc c'est la suite de la série, puis après la série, c'est fini. Donc les différentes éclipses qui seront visibles et que vous pouvez noter dans vos agendas. Et alors les éclipses de lune, je reviens un petit peu aux éclipses de lune pour finir sur la périodicité. Elles, on les voit, comme on l'a vu, sur des bandes plus grandes, donc à un endroit donné, on a plus souvent les éclipses. Donc les prochaines éclipses de lune totales visibles en France métropolitaine, 2015, 2017, 2020, donc là, on a quand même plus de chances d'en voir, et je pense que la plupart d'entre nous ont déjà vu plusieurs éclipses de lune. Alors à la fin, je suis censé parler des riches applications des éclipses, mais je pense que mon temps est déjà bien avancé. Donc bon, je vais vous en montrer une ou deux rapidement, et puis après, ce sera pour une prochaine conférence, les applications des éclipses. Mais je n'ai pas noté à quelle heure j'avais commencé, je n'ai pas fait attention. Alors la première application, évidemment, c'est d'observer l'environnement proche du Soleil. Quand on observe le Soleil de la manière normale, on n'arrive pas à regarder droit dans le Soleil, il y a une chanson là-dessus, on ne peut pas voir le Soleil parce qu'on est ébloui, et donc quand la Lune passe devant le Soleil, eh bien on peut observer l'environnement proche, donc on peut voir la chromosphère, la partie un petit peu orangée autour, les protubérances, la couronne solaire que l'on voit ici, et notamment en 1991, il y a eu une éclipse fameuse qui est passée sur les îles d'Hawaï, et à Hawaï, il y a des télescopes professionnels qui sont extrêmement performants pour étudier les astres, et donc là, il y avait la chance d'observer une éclipse totale de Soleil. Certains dans cette salle participaient à ces observations, donc c'est une équipe de l'IAP qui a mené ces observations. Donc on peut observer le Soleil pendant l'éclipse, et on peut observer des phénomènes autour, dans la couronne solaire, qui ont été étudiés par la suite. Alors, une application historique des éclipses, c'est la vérification de la théorie de la relativité générale. Donc ça, peut-être, vous connaissez l'histoire. La relativité générale prédit qu'il y a une déviation de la lumière par les masses. Donc on va avoir la déviation de la lumière d'une étoile par le champ gravitationnel du Soleil. Donc ça, on ne peut pas le voir, parce que quand on a le Soleil, on ne voit pas les étoiles. Et quand on voit les étoiles, on ne voit pas le Soleil. Mais pendant une éclipse totale de Soleil, on peut voir à la fois le Soleil et les étoiles. Donc le principe, c'est celui-là. Si on a un astronome qui observe une étoile, il la voit dans cette direction-là, et si on a une masse, par exemple le Soleil, il va dévier la lumière de l'étoile par effet de l'antigravitationnel, et donc l'étoile va apparaître plutôt dans cette direction-là. Et donc on peut calculer avec la masse du Soleil l'angle que l'on doit observer. L'angle, c'est 1,75 secondes d'angle, donc un très petit angle. Et donc ça, c'est possible, il suffit d'observer. Il faut observer des étoiles proches du Soleil pendant une éclipse du Soleil, et puis on les regarde 6 mois avant ou 6 mois après, il n'y a plus le Soleil, on voit les étoiles, et on voit si entre les deux, il y a une petite variation de position.
Donc cette expérience, ça c'était prédit par la relativité générale d'Einstein, et donc ça, ça a été vérifié par Arthur Eddington lors de l'éclipse du 29 mai 1919. Il a observé dans cette région-là, donc à l'ouest de l'Afrique, là c'est la côte africaine, depuis cette île-là, d'ailleurs l'éclipse de novembre prochain sera observable depuis cette île-là, donc s'il y a des amateurs d'histoire d'éclipse, ils peuvent tenter de refaire l'expérience d'Arthur Eddington à peu près au même endroit. Et donc voici ce qu'il a publié. Donc on voit l'image ici avec des petites étoiles, on ne les voit pas bien sortir. Et les résultats qu'il a publiés, c'était 1,61 secondes d'angle, donc un résultat similaire à valeur prédite, donc ce qui a été considéré comme une vérification éclatante de la théorie de la relativité générale d'Einstein. À partir de ce moment-là, Einstein est devenu encore plus une star. Alors ça a été contesté par la suite, parce qu'on a dit oui, Eddington en fait a fait plusieurs expériences. En effet, il l'a observé ici en Afrique, mais il y a eu d'autres observations qui ont été faites ailleurs, qui ont donné des résultats un petit peu différents. Donc on se doute bien que quand même Eddington savait quel résultat il devait obtenir, mais ça n'empêche que ce résultat-là, pour cette observation-là, ce résultat, me semble-t-il, était solide, et donc c'était une bonne vérification de la théorie de la relativité générale. Et j'en monte une dernière pour finir. Là, je ne veux parler que des expériences historiques. La dernière, c'est la mesure du diamètre de la Lune et de la distance Terre-Lune, parce qu'en fait, les éclipses permettent de faire des mesures précises de temps, de vitesse, de distance, parce qu'on a des astres qui sont très gros, qui se croisent en quelques secondes. Donc ça, ça donne des mesures très précises. Donc, dans l'Antiquité, c'était utilisé pour mesurer, avoir des idées, des ordres de grandeur de distance dans le système solaire. Et donc ça, ça a été fait au cours d'une éclipse de Lune par Hipparque au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc une éclipse de Lune, ça ressemble à ça. Si on voit les différentes phases de la Lune ici, on voit l'ombre de la Terre. Donc on voit l'ombre de la Terre qui est directement reliée à la taille de la Terre, la taille réelle de la Terre, et la taille de la Lune. Et donc on peut comparer la taille des deux. Et donc en comparant la taille des deux, en faisant un petit peu de trigonométrie, et en faisant l'hypothèse que le Soleil était bien plus loin que la Terre et la Lune, n'étaient proches l'une de l'autre, Hipparque a pu estimer la distance Terre-Lune entre 62 et 77 rayons terrestres, alors que la vraie valeur, c'est entre 57 et 64, hein, puisque la distance varie un petit peu. Donc c'était une mesure qui était assez précise. Alors je vous propose donc de m'arrêter là pour les applications, j'en ai plein d'autres. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, je vous écoute. Bien, merci. Bonjour et merci pour cette merveilleuse conférence. Je crois que je commence à comprendre ces choses très compliquées. Quelle est l'erreur dans Tintin ? Ah ! Tintin. Alors personne n'a la réponse. On n'a pas vu, alors, c'était trop rapide. Alors là. Qu'est-ce qu'on voit dans cette scène ? Qu'est-ce qu'on voit dans cette scène ? On voit, donc ils sont sur, je pense que la majorité d'entre vous connaissent la scène, ils sont sur un bûcher, et puis Tintin, il a eu l'information dans une vieille coupure de journaux qu'il y aurait une éclipse de soleil, et donc tout d'un coup, il fait comme s'il commandait le soleil. Et en effet, le soleil semble lui obéir puisqu'il disparaît caché par la lune. Et puis alors, les gens qui voulaient le tuer commencent à paniquer, etc. Et puis il dit, si vous me laissez la vie sauve, Tintin, je dis au soleil de réapparaître. Donc ils disent ok. Il dit, soleil, c'est bon, réapparaît. Et ça réapparaît, super bien joué. Alors il y a deux petites incohérences. La première, qui est un petit peu du détail, et là c'est vraiment pinaillé, c'est que c'est quand même difficile. Tintin ne sait pas vraiment où il se trouve, il n'a pas un GPS. Être capable de prédire à la seconde près à quel moment il va y avoir l'éclipse, c'est pas hyper réaliste. Mais bon, là, c'est pas très... Mais il y a quelque chose de plus intéressant, c'est qu'en fait, il y a une confusion entre les phases de partialité et les phases de totalité. Cette scène-là ne dure que quelques minutes, le temps qu'il arrive, qu'il impressionne tout le monde et qu'il fasse réapparaître le soleil. Et quelques minutes, c'est la phase de totalité. Une totalité dure quelques minutes. Or là, ce que l'on voit, c'est le début de la partialité, la fin, la totalité et la fin. Et donc cette scène-là, entre cette partie-là et la fin de l'éclipse, ne dure que quelques minutes dans l'histoire, alors que dans la réalité, bien évidemment, ça dure plusieurs heures. Donc là, il y a une confusion entre la partialité et la totalité, ce qui est assez étonnant parce que je pense que la majorité d'entre nous n'avons jamais fait attention à ça. Pourtant, on connaît très bien cette planche, on connaît très bien une éclipse, et l'histoire est tellement forte qu'on ne s'en rend pas compte qu'il y a une erreur quand même assez grande. Voilà, c'était ça l'erreur dans Tintin. Voilà. Mais tu as parlé de l'histoire de Christophe Colomb, elle est quand même intéressante aussi, tu n'as pas dit, mais tu le sais, c'est qu'il a vraiment sauvé sa peau. Hein. Il était tombé, d'abord c'était aux Caraïbes, et c'était une peuplade très belliqueuse. On disait que dans les Caraïbes, il y avait des gens qui étaient des mangeurs d'hommes, hein, donc c'était pas rien. Et donc ça, il était en captivité avec tout son équipage, et il avait cette carte de... Non, c'est pas une carte, c'est un répertoire où il y avait toutes les éclipses, il avait ça sur lui. Et donc voilà, coïncidence formidable, il y avait une éclipse de lune, pas de soleil. Hein. Mais bon, la lune, c'est quand même pas mal de la confisquer. Donc il dit, si vous m'embêtez, je vous confisque ça. Et puis voilà, ça s'est réalisé.
Et donc, il a pu s'en aller. Merci. Bonsoir, monsieur. Combien de fois faut-il attendre, combien de fois, 54 ans, faut-il attendre pour revoir une éclipse exactement au même endroit? Ben non, justement, là, ça ne marchera pas. Ah, parce ça ne marchera jamais. Non, justement, les éclipses se décalent un petit peu. Ah oui. En fait, si on imagine la Terre, vous imaginez la Terre et l'ombre de la Lune, enfin, oui, l'ombre de la Lune va se déplacer comme cela, tous les 18 ans, elle revient au même endroit, mais en fait, elle se décale. Ou elle va vers le sud, ou elle va vers le nord, si on compare ça au nœud ascendant ou au nœud descendant. Et donc, au début, on a des éclipses partielles. 18 ans après, l'éclipse est un peu meilleure. 18 ans après, encore un peu meilleure, etc. Et donc, vu que 18 ans, on en fait 3 fois 54 ans, enfin, même si on prenait 54 ans après, elle sera un peu meilleure, encore un peu meilleure. Puis après, elles sont parfaites. La Lune est pile au centre de la Terre. Puis après, ça devient moins bon, moins bon, moins bon. Et après, il n'y a plus d'éclipse. Ce qui fait que dans un cycle de Saros ou d'Exéligmos, c'est un petit peu la même chose, on va avoir des éclipses pendant à peu près, c'est entre 1200 et 1500 ans. Et donc, avant, il n'y avait pas d'éclipse parce que l'ombre est au-dessus de la Terre. Et après, il n'y a plus d'éclipse parce que l'ombre est en dessous. Il doit y avoir des super multiples qui reproduisent exactement la même chose au même endroit. Je vous ai montré, là, je vous ai dit que c'était à quelques heures près au bout de 18 ans. Si on prend sur des milliers d'années, là, je pense qu'on trouve des PPCM encore meilleurs. Ah, voilà. À quelques secondes. Ouais, il faut faire venir Cédric Villani pour nous parler de ça. Bon, qui veut poser une autre question? Oui. C'est une question de famille. J'ai une remarque. D'abord, bravo, j'ai appris beaucoup de choses. Je cherchais en fait un mot de passe très compliqué pour mon computer et je vous remercie d'avoir introduit 6JJ ce soir parce que je crois qu'il est introuvable. Merci. J'ai assisté à l'éclipse qui a eu lieu il y a une dizaine ou douzaine d'années et qui était totale dans le nord du Cotentin. Et ce qui m'a frappé, c'est la détresse des animaux qui, en quelques minutes, se sont vraiment tués. Il n'y avait pas... aucun ne réagissait. Et l'impression de la fin du monde, qui a duré 5 minutes. Hein, jusqu'au... Voilà. Ben non, c'est vrai qu'on voit quand on est à côté d'animaux, on voit des phénomènes assez rares. Tout ça, déjà le truc simple, c'est les coqs se mettent à chanter en plein milieu de la journée, mais on voit aussi les oiseaux s'arrêtent de chanter, enfin d'autres oiseaux que les coqs s'arrêtent de chanter, on voit des choses assez étonnantes. Mais en fait, on peut même se poser la question pour les humains. Les humains réagissent un petit peu de manière particulière pendant l'éclipse. Déjà, les gens qui savent qu'il y a une éclipse sont un petit peu excités. Mais en fait, il y a quelque chose moi, que j'aimerais bien voir, que je n'ai jamais vu. Quand on a une éclipse, généralement, tous les gens savent qu'il y a une éclipse, etc. Mais il y a forcément des gens qui ne le savent pas, qui n'ont pas été informés, qui ne l'ont pas su. Et donc, il y a des gens, ils se retrouvent en pleine journée, enfin, c'était comme ça il y a longtemps, mais actuellement, toujours, là, en novembre prochain, il y a une éclipse en Afrique, je suis sûr qu'il y a des endroits, mais les gens ne sont pas au courant qu'il y a une éclipse. Et tout d'un coup, ils vont voir ce truc-là se produire. Là, ça va être une émotion complètement incroyable de voir ce phénomène sans être prévenu. Et alors, sans savoir de quoi il s'agit, là, c'est encore pire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'est une éclipse, mais qui ne sont pas au courant, ils ne suivent pas l'actualité, je sais pas, ils ont juste lu Tintin ou Christophe Colomb, ils savent que ça existe, mais ils ne sont pas au courant. Et donc l'émotion que doit avoir une personne en voyant une éclipse se produire alors qu'il ne s'y attendait pas, ça doit être extraordinaire, quoi. Alors moi, je n'irai pas le droit, parce que je suis un peu l'actualité des éclipses. Alors il y a plein de choses, hein. Effectivement, ça aurait été intéressant de parler de ça. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. D'abord, il y a une couleur bizarre, un peu argentée, blanche, qui donne une couleur à l'herbe et à la végétation qui est tout à fait inhabituelle. Il y a la température qui baisse, il y a un vent qui se lève, il y a les animaux qui commencent à la paniquer, et tout d'un coup, quand on regarde du côté d'où va venir l'éclipse, il y a un moment où on voit une colonne noire arriver. Il arrive, on voit l'éclipse arriver sur nous, c'est très impressionnant ça. Tu as vu une éclipse? Ah, dans le film, on voyait super bien. Guillaume, as-tu vu une éclipse? Toi, oui, j'ai déjà vu des éclipses. Oui. Total. Moi, ouais, j'ai déjà vu des éclipses. C'est bien, hein, c'est un événement qui est... Moi, j'avoue que j'en ai vu deux. Enfin, la première, c'était en 1995 au Vietnam, et je ne m'y attendais pas du tout. J'y allais en traînant les pieds. Donc, bon, une éclipse. Mais c'est vraiment extraordinaire comme phénomène. Mais il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde, beaucoup de gens qui ont peur des éclipses. Moi, j'ai le souvenir de... On m'a raconté qu'en 1999, il y a des pays où on disait aux enfants de ne pas sortir, rester dans la classe, rester dans la maison, ne pas aller voir... Enfin, je crois qu'en 99, je ne suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup fait, mais en tout cas, en 1961, moi, beaucoup de personnes m'ont raconté qu'ils étaient à l'école le jour où l'éclipse a eu lieu, c'était le matin, et qu'on leur a dit ne sortez pas.
J'aimerais bien, si vous êtes d'accord, je vais tendre le micro à Guillaume pour qu'il nous raconte d'abord le lien qu'il y a entre le travail que tu fais sur les, extra, sur les planètes extrasolaires et les éclipses. C'est, voilà, déjà, c'est intéressant. Et surtout, peut-être nous dire un mot sur une autre éclipse qui est intéressante dans l'histoire. Tu l'as un petit peu mentionné, mais elle est intéressante et croustillante. C'est l'histoire de Le Gentil. Ouais. Ah oui, j'en ai pas parlé. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une magnifique histoire de l'histoire des sciences, un peu tragique, mais alors, quand même cocasse. Je vais vous parler un tout petit peu donc, du transit de Vénus, si vous voulez. Voilà. Donc c'est lié au transit de Vénus. Et donc c'est un petit peu lié aussi, j'en parlerai juste dans un instant, à mon travail sur les planètes extrasolaires. Donc tout d'abord le transit de Vénus, donc je voulais parler de ça par la suite, mais j'ai manqué de temps. Donc une éclipse de soleil, c'est quand la Lune passe devant le soleil, mais si on généralise à ça, on peut pas en parler des transits, des occultations, des choses comme ça, donc différents corps qui passent devant différents corps. Et notamment, Vénus et Mercure peuvent passer devant le disque du soleil vu depuis la Terre. Alors Mercure, ça arrive assez souvent. Vénus devant le soleil, c'est un phénomène assez rare. Et donc en fait, là aussi, il y a des périodicités. Alors elles sont moins compliquées parce que, comme je vous ai dit, la Terre a un mouvement de précession, mais sur 26 000 ans, donc quand même, ça bouge pas si vite que ça. Et Vénus, c'est pareil, il n'y a pas de mouvement de précession très, très, très grand. Donc c'est tout le temps à peu près au même moment, il n'y a pas de décalage. Et donc en fait, les transits de Vénus, mais pareil, l'orbite de Vénus et l'orbite de la Terre font un angle, donc on n'a pas des transits de Vénus à chaque fois. Et donc en fait, les transits de Vénus devant le Soleil sont extrêmement rares, et ils ont lieu tous les 243 ans avec des paires de transits espacés de 8 ans, séparés de 121 et 105 ans. Vous avez bien mémorisé ? Donc, alors ça, ça a été utilisé pour faire des mesures de distance de Soleil dans le système solaire, toujours, donc il y avait des expéditions pour observer ces phénomènes. Et donc les transits de Vénus sont tellement rares qu'on peut en faire l'histoire assez rapidement, donc ce sera plus rapide que les transits de Mercure. Donc le premier dont on a parlé dans l'histoire moderne, c'est le 7 décembre 1631. Celui-là, c'est le premier qui a été prédit par Kepler, donc qui a regardé les orbites de la Terre et de Vénus pour prédire quand auraient lieu des transits de Vénus. Et donc il a prédit 7 décembre 1631. Mais celui-là, il a tenté d'être observé. La précision n'était pas extrêmement précise, et notamment il a été manqué par Gassendi. Celui-là n'a pas été observé. Le premier qui a été observé, c'était 8 ans plus tard, le 4 décembre 1639. Donc il a été observé par des astronomes anglais, j'ai pas mémorisé leur nom. Donc, voilà. Donc eux, c'était une très bonne une confirmation qu'on comprenait bien les mouvements des orbites. Et puis ils ont fait des premiers calculs de distance dans le système solaire. Et donc le suivant, c'était le 6 juin 1761. Et donc là, il y a eu beaucoup d'expéditions qui ont été lancées, et notamment par l'astronome Guillaume Le Gentil de Paris, qui est parti pour observer cette éclipse, ce transit de Vénus, depuis l'Inde. Il devait l'observer depuis Pondichéry, je crois. Et puis en cours de route, il a appris que c'était la guerre, les Anglais avaient récupéré Pondichéry, donc il ne pouvait plus débarquer à Pondichéry, donc il est reparti. Et donc il a observé ce transit, et 1761, il l'a observé, mais il l'a observé depuis son bateau, donc des observations de très mauvaise qualité, il n'a plus rien faire. Et donc le suivant, c'était 8 ans plus tard, donc il était en Inde, le suivant était observable toujours dans la même région, et il y avait 8 ans à attendre, il a dit, moi j'y suis, j'y reste, il est resté 8 ans dans la région à attendre le transit suivant. C'est quand même assez incroyable. Entre-temps, il a fait des explorations, des études, etc. Et alors le matin, donc c'était le 3 juin 1769, il l'a manqué à nouveau. Les jours avant, il faisait très beau, et le matin du transit, des nuages. Et donc, il n'a pas pu l'observer. Alors, l'histoire raconte qu'il a eu un petit peu du mal à supporter ça. Il était un petit peu dépressif par la suite. Mais qu'il est rentré en France, et là, en France, ses lettres n'étaient jamais arrivées. Donc, on pensait qu'il était mort. Il avait perdu sa place d'astronome. Quand on a une place d'astronome, on est déçu de la perdre, hein. Donc on y tient. Donc il avait perdu, l'histoire même raconte qu'il avait perdu sa femme, qu'elle s'était remariée, qu'on commençait à dilapider son héritage. Mais je crois que d'après ce que j'avais lu, il avait réussi à tout récupérer. Sa femme, je ne suis pas sûr, mais son poste d'astronome et ses biens, il les avait récupérés. Et par contre, celui-là a été observé par d'autres expéditions. On parle beaucoup de l'histoire de Le Gentil parce qu'il était français et puis parce que c'est une histoire assez rocambolesque, romanesque plutôt. Et par contre, le capitaine Cook, lui, l'a observé à Tahiti. Et donc, depuis un endroit qui s'appelle la Pointe Vénus maintenant, où on a eu la chance d'aller pour certains d'entre nous, donc il reste encore on voit l'endroit depuis lequel il a mené cette observation. Donc il a pu observer le transit de Vénus, et donc c'est les grandes expéditions, le capitaine Cook, un grand explorateur. Et donc l'histoire raconte aussi qu'il avait plusieurs missions à remplir durant cette expédition. La première était d'observer le transit de Vénus, et la suite, il avait dans une lettre cachetée, il devait décacheter l'enveloppe seulement après qu'il avait fait ça pour savoir ce qu'il devait faire après, et donc il devait poursuivre l'exploration de ces contrées lointaines.
Alors la suite, c'était en 1874-1882, donc là il y a eu d'autres expéditions aux îles Kerguelen, puis en 1882, il y en a eu également, mais là on a fait à peu près le tour, on avait d'autres méthodes pour mesurer les tailles dans le système solaire, donc c'était un petit peu moins suivi. C'était vraiment celui-là qui était le plus gros, parce que là on avait la confirmation en 1639, et là c'était vraiment au XVIIIe siècle, l'époque des grandes explorations, donc il y avait beaucoup de missions qui étaient faites pour ça. Et les suivantes. Et la suivante, c'était le 8 juin 2004. Donc, vous voyez, c'était l'époque contemporaine. Alors là, c'était visible en Europe. Alors, qui l'a vu à nouveau, celui-là? Bon, on est quelques-uns à l'avoir vu. Et le suivant, c'était le 6 juin 2012, alors qu'il était bien visible aux États-Unis et en Asie. La fin était visible en France. Là, je ne sais pas qui l'a vu à nouveau. Moi, je l'ai vu. J'ai vu la fin, quelques-uns. Ouais. Donc, on a certains qui ont pu voir les deux, certains qui ont pu voir l'un des deux. Et alors, le suivant, eh ben, c'est en 2117-2125, donc c'est mort pour nous tous. Mais non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et vous voyez qu'à nouveau, il y a des périodicités. À chaque fois, c'est décembre ou juin. Ça alterne décembre-juin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de précession très grande, et donc c'est tout le temps au même moment de l'année. Les orbites de la Terre et de Vénus ne changent pas beaucoup. Et donc, alors pour ceux qui l'ont raté, j'ai une petite animation où on voit un transit de Vénus. C'est un phénomène qui dure quelques heures. Et donc, pour finir très rapidement sur... les liens avec mon travail. Donc moi, je travaille sur les planètes extrasolaires, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, et on peut les observer. Alors, il y a plein de méthodes pour les observer, mais il y en a une qui est typiquement une éclipse, c'est la méthode des transits. De la même manière que la Lune peut passer devant le Soleil ou que Vénus peut passer devant le disque du Soleil vu de la Terre, une planète extrasolaire peut passer devant le disque de son étoile vu de la Terre. Alors, on ne verra jamais ça. Enfin, on ne verra jamais ça. Peut-être un jour, on verra ça. Mais pour l'instant, on ne voit pas ça parce que l'étoile est tellement éloignée qu'on n'arrive pas à résoudre la surface de l'étoile. On voit juste un point avec... on ne voit rien, on voit juste la lumière qui arrive de cette étoile. Mais quand elle est occultée, la lumière va être un petit peu plus faible. Et ça, la lumière, on peut la mesurer très précisément. On appelle ça la magnitude, dans le jargon astronomique, ou la brillance de l'étoile. Si on voit la brillance en fonction du temps qui diminue comme cela, hop, puis qui revient au même niveau que précédemment, et que ça se revient de manière périodique, par exemple tous les 365 jours, on pourrait dire qu'il y a une planète qui tourne en un an autour de son étoile. Eh bien, merci. On va s'arrêter là-dessus, encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces voyages.